Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour un nouveau walk. Enfin, si vous le voulez bien, un nouveau walk de Deus Ex Human Revolution. Alors pourquoi je dis si vous le voulez bien? Tout simplement, c'est que je vais faire la première, cette première vidéo. Et si vraiment il y a des gens qui veulent voir la suite, ben je la ferai. Si j'ai pas beaucoup de retours, je pense que j'annulerai le walk et j'en ferai un autre à la place. Donc voilà, c'est vous qui voyez comme on dit. Donc ce jeu Deus Ex Human Revolution, c'est un jeu édité par Square Enix, développé par Eidos Montréal, qui a été porté sur PC avec le studio Nixies. C'est un jeu de rôle à la vue FPS donc. C'est sorti le 26 août 2011 et c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà, donc je vais faire une nouvelle partie. Il va y avoir beaucoup de paroles dans cette première vidéo et ça va être beaucoup scripté, mais c'est pas grave. C'est pour mettre vraiment dans l'ambiance. Donc c'est parti, je lance une nouvelle partie. Alors je vais juste montrer quelque chose avant. C'est dans le jeu. Alors, gestion automatique d'inventaire, je mets oui parce que franchement, faire du Tetris, si je veux faire du Tetris, je prends le vrai jeu, je l'ai. Indicateur de couverture mêlée, non. Fichier ridicule, oui évidemment, sinon je c'est impossible. Mettre à couvert, il faut. C'est moi qui appuie en fait. Localisation des objectifs, oui je le mets. La mise à valeur des objets, non, c'est mieux de chercher par soi-même. Le champ de vision, je sais pas du tout quoi ça correspond exactement, je laisse à 75. Langage du texte en automatique, donc après vous pouvez choisir anglais, français, voilà. Alors j'aurai la version totalement en français. Bien que la VO soit meilleure, je n'ai pas fait en sorte qu'on ait la VO et puis c'est plus facile pour suivre le jeu qu'une version anglaise. Voilà. Allez, nouvelle partie. Je me mets en normal parce que Deus Ex, j'ai pas envie d'essayer et en normal j'ai déjà bien galéré, même si le jeu reste assez facile. Allez, c'est parti. Temps de chargement assez long, mais c'est parce qu'il y a Fraps qui est lancé, donc ça ralentit un peu le chargement du jeu. Est-ce que tout est prêt? Presque. Presque? Comment ça, presque? J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera le rappel en masse sans broncher. Et les cliniques? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum? On ne peut se le permettre. Le Conseil scientifique américain se réunit dans 5 mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant publique cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans la biopuce. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas à grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leur découverte. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour Picus. Sauf votre respect, j'ai absolument besoin de 2 détachements affectés à notre sécurité, sur le tarmac. Non, pas question de traverser le terminal. Trop exposé. Ouais. Merci de votre compréhension. Bonne nuit. Du con. Y a un problème? Non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr. Reed, vous allez le casser. Allez, Meg, c'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam,
C'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne? Ils voudront savoir comment j'ai fait. Megan, départ pour Washington dans... Adam, vous tombez bien. Besoin de moi, patron? Oui, je vais revoir votre dispositif de sécurité pour Washington avant le départ. Votre équipe est prête, Megan? Presque, David. Nous revérifions les données. Alors faites vite. Si vous voulez épater tous ces bureaucrates de Washington, encore faut-il que vous soyez à Washington. Je déteste quand il est comme ça. Allez, viens. Je t'accompagne un peu. Donc voilà, on commence enfin le jeu, donc on se retrouve dans cette salle avec Morgan Reed. Alors, ça va être un peu l'occasion de farfouiller rapidement le bureau, il n'y a pas énormément de choses. On s'en fout de ce qu'elle dit, elle, hein. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, on va avoir quelques petites anecdotes. Tiens, tu l'as gardé. Bien sûr. Tu me l'as offert à notre premier rendez-vous. Je l'avais acheté comme ça, pour te faire rire. Et ça a marché. Je t'ai pardonné d'être passé me prendre dans le modèle grandeur nature. Ça c'est fait. Ensuite là, being more effective, devenir plus efficace. Fais attention, c'est une édition originale. David me l'a offert. Ok, donc ensuite on peut faire ça. Donc là on peut lire les mails. Tu devrais verrouiller ton ordinateur, Meg. Je sais, Franck m'a fait la leçon lui aussi. Donc, vous avez donc souvent dans les ordinateurs des messages sympathiques, donc des gens qui discutent entre eux, tout ça. Des fois avoir des petits indices importants pour certaines affaires qui sont pas nettes. Donc voilà, il faut lire tout. Alors moi je vous lirai pas tout, il y a trop d'ordinateurs dans ce jeu. Donc je vais faire juste un petit truc marrant. Quand vous lisez les 4, vous avez droit à une petite réprimande de la part de la Morgan. Megan, pardon. Pourquoi je dis Morgan Reed, moi? C'est Megan. Voilà, bon, ils parlent du chien, voilà. Hey, s'il te ne plaît, lis pas mes emails. Oula, c'est un peu bugué. Bref, il y a beaucoup de bugs un peu de audio comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Hein, le jeu est pas forcément. Le jeu est pas forcément bien optimisé. Il faut le savoir. Moi, je le trouve pas trop optimisé, malheureusement. Même si il est stable, hein, mais il y a des passages. Bon, ça, ce sont des documents qu'on récupère. Il y a des informations scientifiques en général. On peut lire des choses dedans. Donc là aussi, là, c'est le journal journal. Hein, bon, on peut pas faire grand chose, évidemment. Mais bon, hein, c'est un journal. Donc vous avez des images qui défilent. C'est magnifique. C'est le futur. Un jour, on aura ça. Hein. Adam, pense à David. Pense pas à David. Bon, allez hop, on continue. Et là, il n'y a plus rien. Voilà. Vous pouvez, dans les bureaux, il y a en général plus de choses à regarder. Mais bon, voilà, vous avez le principal. Normalement, des casiers comme ça, vous pourrez les ouvrir. Là, c'est pas le cas parce que c'est le début du jeu. Et on va continuer. Donc, ça va être scripté. Hein. Attention. Accès réservé au personnel autorisé. Donc, c'est moi qui bouge la tête. T'avais l'air bizarre. Non. J'ai juste un bol track. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Sur cet endroit, sur Sarif. Megan ? Excuse-moi. Il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à frigotier. Eh bien, c'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de Pedot qui dérègle le calibrage. Très juste. Je vais vérifier. Tu te poses encore des questions sur David ? T'es ici depuis assez longtemps pour savoir. Eric, vous n'essayeriez pas de m'éviter par hasard ? Je me permettrai pas, Docteur Reed. Et je crois savoir ce qui fausse les résultats de Declan. Excès de peptides ? Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre, nous obtiendrions une lecture plus fine pour confirmer votre théorie. Les visiteurs doivent toujours être en parler à David. Et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino. Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Oh, merde. Fais gaffe, Eddie. Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolé. Nea, tu es bientôt prête? Pour Washington? Bah. Ah, Docteur Reed, voici le général O'Neill. Le docteur Seth Changpo me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon. Oui, grâce à Vassili, d'ailleurs. Donc, mon général... Le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des microcharges ajustées
pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz? Gérée par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Remarquable. Ce sera opérationnel quand? Désolé, je dois y aller. Mais Vassili connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision du taille. Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Dr. Reed. Ouais. Ben voyons. Donc sachez que c'est pas moi qui marchais, hein. C'était vraiment tout automatique, là. Et toi, tu t'arrêtes où? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase? Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin. Comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais. J'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam. Il y a quelque chose que... Bonsoir. Richard. Alors, prête pour le grand voyage? Voilà Farida. Je ferais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à l'hélistation, Adam. D'accord. Je vous ai interrompu, Jensen. Vous avez réparé le pare-feu? On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté? Oui. Vous voulez les détails? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-SWAT. Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté, Athènes. Il transmet des données à notre satellite spécialisé tous les 3 mètres. Dépouillez ça comme vous voulez, mais je veux Yutaro à Washington à côté de moi. Il convoque pas un type comme lui. C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, Light. La commission se passera d'autant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur. La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature. Alors que tout ce que Megan a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Yukdaro a inventé. Défaillance environnementale. Sous-section 6 des laboratoires. Tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque. Surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code? Ouais, 0451. Tenez-moi informé. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce bazar. Tout de suite. Donc là, on est enfin libre de ces mouvements, donc vous avez tout votre temps au final. Mais bon, vous pouvez pas faire grand-chose, tout simplement. Vous pouvez même pas sprinter. Donc il y a plein de trucs, mais on peut rien regarder, c'est dommage. Donc, chez vous, Adam. Rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans le premier Deus Ex, on avait un résumé dans son inventaire de tous les codes qu'on a récupéré, tout ça. Mais il fallait quand même connaître le code. Connaître par cœur au niveau de la tête. Là, une fois que vous avez le code, quand vous utilisez la machine, le code apparaît à droite. Bon, là, il n'y a pas, hein, mais bon. Normalement, il y a un truc qui apparaît et il y a écrit donc 0, 4, oula, 0, 4, 5, 1. Voilà. Mais normalement, vous avez un truc à côté qui vous dit le code. Pareil pour les ordinateurs que vous piratez. Si vous avez le pseudo, le mot de passe, bah, ça vous le met. Vous avez juste à recopier. Voilà. Allez, on rentre. Alors, si ça le fait pas automatiquement, c'est que si vous voulez pirater l'ordinateur pour gagner des points d'expérience, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom, le pseudo et le mot de passe. Là, on descend l'ascenseur. Richard, où est Megan? Des nouvelles?
Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance a dû toucher un équipement vital. Vous l'avez en visuel? J'essaie, mais les intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir cette scène. Vite! Richard? Richard! Donc là, on a un flingue, hein, pour se défendre au cas où. Donc là, y a rien à chercher, malheureusement. Vous pouvez utiliser les robinets, tout ça vous fait plaisir. Mais voilà, là maintenant on peut courir, hein. c'est déjà mieux, mais bon il court pas vite, hein, faut l'avouer. Donc là vous voyez que lui il est au port de la mort, vous allez voir quand vous approchez, hop il est mort. Non c'est pas du tout scripté, non. Donc pour se baisser moi j'ai mis une touche, hein, vous pouvez mater tout ce que vous voulez, et j'ai pas besoin en fait de laisser appuyer, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans les options, c'est que je n'ai pas... pour moi c'est plus pratique, voilà. Alors là on continue, donc on peut absolument rien faire, rien prendre, c'est vraiment du script, du script, du script. Donc on va se dépêcher. Donc vous pouvez voir qu'il y a une personne qui a l'air un peu bizarre, qui vient de tuer... deux scientifiques, donc on va continuer. Donc là, ouais, on peut déplacer les objets. Donc hop là, on a une touche utilisée évidemment. Vous, en appuyant sur table, vous pouvez regarder l'initiation. Donc nous on va pas le faire, hein, je pense pas que ce soit nécessaire. On ouvre et on y va. Alors ça, vous allez en voir souvent, hein, je vous le dis. Donc je revérifie quand même qu'il y a vraiment rien récupéré, hein, même si. Ça ne servira pas vu ce qui va se passer bientôt. Ok, là on va voir une phase de gunfight. Okay, c'est parti. Alors c'est pas trop dur, hein, faut pas croire. Donc là, on peut se mettre à couvert comme ça. On utilise pour ouvrir la porte. On se baisse. Et je vais me cacher ici. Et c'est parti, une petite phase de gunfight. Je suis vraiment pas très très bon au... Au jeu de tir en général, hein, je suis moyen. Donc lui, donc je crois qu'on est allé, on a peut-être des vies limitées ou en tout cas elles apparaissent pas. Donc il faut faire gaffe au niveau avec l'écran en fait. Mais bon, là je pense pas que vous ayez vraiment besoin de vous soigner ou quoi que ce soit, puisque bon, le jeu est pas, et là en tout cas n'est pas dur. Qu'on prend les munitions. On peut le déplacer si on veut, mais ça sert à rien. Et on va entrer ici. Hop là. Donc on court. Youpi. On va bientôt arriver à la fin donc de la séquence. C'est ici. Ok, donc on continue. Alors là, franchement, j'aime bien moi les phases de gunfight parce que le perso est assez lourd, donc on n'est pas. N'est pas léger quoi, on a vraiment l'impression de tenir quelqu'un. Ok, alors moi je fais pas de détails, hein, je vais pas m'amuser à les laisser vivre, hein, vu ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, le succès, là, vous pouvez dire que le succès pour tuer personne, alors je peux pas vous dire si c'est vraiment... vital, parce qu'il y a un succès si vous tuez personne tout le long du jeu. Alors je sais pas si ça compte pour cette phase là, mais franchement je pense pas, hein. Je pense que vous êtes quand même tranquille. Ok, bon ben c'est bon, on va pouvoir continuer. Okay. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas plus d'interaction que ça. Ah là lui il a morflé. Ok, on y va. C'est parti. Vous allez voir là, c'est pas trop dur. Il y a encore une personne qui est apparue et qui disparaît. Alors là, j'ai une technique, mais elle marche pas à tous les coups. Mais je l'aime bien. Alors je me cache ici. J'attends qu'ils arrivent. J'en tue un. Voilà. Alors je sais pas si ça va le faire. Ah, ils arrivent tous. Ah, ça va peut-être pas marcher, non. Ah. Non, j'aurais pas dû faire ça alors.
Bref, c'est pas grave, on va aller gunfighter. Hein. Oh, je le touche là, voilà, un de moins. Voilà, et le dernier qui est là. Hop. Ok. Voilà, c'est bon. On va pouvoir continuer. Donc toujours rien à ramasser ici à part des munitions, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que là on va bientôt... Alors ma technique en fait c'est attendre qu'ils arrivent, ils vont se placer ici, vous tirez sur les bonbons, nice, et ils meurent. Voilà, c'est une technique, bon hein, ça sert vraiment à rien pour le début, mais c'est fun. Et là on va bientôt arriver à la fin du prologue. Cette artère. La vache, j'ai jamais vu un verre aussi épais. Donc voilà, vous avez pu voir qu'il s'est fait vraiment charcuter, le pauvre. Mais bon, c'était un peu nécessaire afin qu'il devienne comme il est, comme on va l'avoir plutôt. Donc moi j'ai bien aimé vraiment la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé ça super bien fait, donc je sais pas pour vous. Moi je trouve qu'ils se sont gavés, quand même, voilà. Donc là on va commencer vraiment le jeu maintenant. Adam, ici David. Vous êtes arrivé ? Ouais, je suis dans l'entrée.
Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'Ely Station. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Frank est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. Donc voilà, on est revenu, on a encore des petits problèmes avec nos implants. Alors si je suis allé directement au deuxième étage, c'est pour pas perdre trop de temps, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je vais rentrer dans mon bureau. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, en fait, on peut... Avec cet ordinateur, on peut s'occuper des caméras, tout ça. Donc nous, on va tout laisser allumer, évidemment. Hein. On n'a pas d'intérêt à faire ça. Donc, par contre, j'ai encore les... Tout qui est en jaune, tout ce qui est utilisable est jaune. C'est bizarre, j'avais pas fait ça pourtant. Mise en valeur des objets, non. Alors je sais pas, peut-être que j'ai mal vu tout à l'heure. Non, je me trompe. Voilà, c'est bon, voilà, on récupère ça. Ordinateur niveau 3, ok. Donc là, on peut récupérer des analgésiques ici. Et donc, hop. Mais pour l'instant, on n'a pas le code, c'est vrai. On va aller voir Pritchard, ou alors c'était dans un... Ah mince, normalement on a le code. Où est-ce qu'il est ce code? Bon, quand je dis code, je parle pas de Call of Duty. Ah la blague de merde. Bon, on verra plus tard, on va déjà aller se faire réparer son truc là. Donc c'est aussi au deuxième étage, donc je me souviens jamais où il est lui. Donc on y est au deuxième étage. Et donc, je suis sûr que je me suis embêté pour rien. D'accord. Ok. Je me trompe. Je comprends pas là. Ok, d'accord. Je suis déjà perdu. Hein. Je suis déjà perdu. Putain, il est lent le sprint, c'est horrible. Il sert à rien ce sprint. Pourtant, il me dit qu'il est au deuxième étage. Oh là là, je suis nul. Moi qui voulais pas perdre de temps, c'est ici. Ok, on va lui parler. Donc on regarde rapidement s'il y a un truc à récupérer. Non, hop. Alors, plus de crédit, voilà. C'est tout ce qu'il y a. Analgésique, je crois qu'on... Non, ce n'est pas un analgésique, on dit. Hop, ça on s'en fout. Je le lis en fait juste pour le fun. Hein. Je peux pas tout lire, là on est un peu pressé. Et je vais lui parler. C'est pas trop tôt. Allez. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici? Moi aussi je suis content de vous voir, Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini? Parce que ça arrive maintenant à l'élistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Peut-être que cette fois, vous sauverez quelqu'un. Alors là, hein, il nous lance une pique. Lui, je vous le dis, il est pas si méchant que ça, donc je vais ignorer ce qu'il a dit. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. J'adorerais continuer à bavarder avec... Par contre, ce qui m'énerve, c'est pourquoi j'ai pas le code de mon ordinateur. Je sais ce que c'est, mais je comprends pas pourquoi on me le donne pas. Pourtant, j'ai souvenir qu'on le trouve, quoi. C'est quand même bizarre. Donc je vais vite me dépêcher. Alors pourquoi je m'essaie de me dépêcher? Alors je vais vous expliquer, tout simplement parce qu'il y a des otages dans la mission où on doit aller. Et le souci c'est qu'une fois j'avais trop attendu, je m'étais amusé à balader et au final les otages sont morts avant que j'y aille. Donc je trouve ça pas mal, cette idée de... Faut quand même pas... On te dit de dépêcher, tu te dépêches et puis c'est tout. Mais puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est bizarre que j'ai pas de mot de passe là. C'est pas normal. Pourquoi je le trouve pas? Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas non plus très important, mais c'est quand même bizarre que je le trouve pas. Je sais pas, je bouge un peu beaucoup avec ma souris. Bon, je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas mon mot de passe. C'est pas... Je le connais, hein, mais je vais pas tricher comme ça. Alors peut-être que c'est la fille qui donne. Alors parce que oui, c'est la fille du milieu, donne des infos. Hein. Voilà, je vais juste vérifier. Mon Dieu, Monsieur Jensen, je...
Je ne croyais pas que... Je suppose que vous venez pour le cambriolage. Vous voulez que je vous indique le chemin ? Je suis pas parti depuis si longtemps, Cindy. J'ai peut-être l'air différent, mais ma mémoire est bonne. Je ne voulais pas dire ça. Bien sûr que votre mémoire est excellente, monsieur. C'est juste que tout a été chamboulé ici. Depuis la... Enfin, la... Depuis la première attaque ? Exactement. Les labos ont été plus ou moins détruits. Nous les reconstruisons, mais... La plupart de nos chercheurs ont été transférés ailleurs. Et tout le monde a changé de place, alors si vous cherchez quelqu'un... Hésitation, je sais aussi, plus vous de lieux... Vous dites que tout le monde a changé de place ? Presque tout... Alors voilà, mon bureau. Mon bureau a été déplacé ? Non, vous avez toujours cette vue superbe sur l'entrée. Monsieur Pritchard le voulait, mais Madame Margulis a été catégorique. Montez 2 étages et prenez à droite. Bon, ben, je comprends pas. Merci. À votre service. Autre chose, pourquoi monsieur... j'ai pas mon mot de passe ? Je croyais que je le trouvais, pourtant... Allez, on se barre, on va à l'hélicitation. Je trouve vraiment, je trouve ça bizarre. Bon, bref, j'espère que c'est pas un bug du jeu. Et donc, l'hélicitation de ce côté, donc je me dépêche hein, pour pas me rendre en retard. Madame, vous êtes encore loin de l'hélicitation ? J'y suis presque. Bon, parce que l'intervention du SWAT serait catastrophique en termes d'image. Retrouvez-moi dans l'hélico. Je vous ferai un point sur la situation. Ok, donc il nous dit ça. Alors lui, il fait rien du tout. Ah, moi, je voulais juste aller à un endroit... que je sais qui est craché, enfin caché entre guillemets évidemment. Donc vous pouvez récupérer des bouteilles d'alcool, tout ça sur le bar hein, et les bières, on va les prendre d'ailleurs juste pour le fun. Vous croyez ce que les journalistes racontent, que c'est un... On va pas les écouter 10 ans non plus, donc c'est peut-être pas ici. Putain, pourtant j'ai fait le jeu il y a pas longtemps et j'ai déjà du mal, donc là on a un journal. Ok, bon c'est pas grave, on va continuer ici. Si ça se trouve, c'est dans mon inventaire. Ah, mais c'est peut-être là. Si, voilà. En fait, voilà, je vais vous montrer rapidement. On a donc des carnets électroniques qu'on récupère. Là, j'ai mon mot de passe. Ça y est, je me disais aussi. Donc là, il y a tous les mails que j'ai lus au début. Et donc, on a le mot de passe. Donc, c'est pas grave. On va pas le faire tout de suite. On va directement aller ici. Et je vais m'arrêter là, puisqu'on va lancer la mission dans la prochaine vidéo. Donc voilà, si ça vous a plu... Donc n'hésitez pas à me le dire, comme ça je regarde si je continue le walk ou pas. Si vous trouvez que cette vidéo est ratée, je la referai, hein, n'hésitez pas à le dire aussi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Amatest. Ah tiens, il faut pas que j'oublie de faire ma pub, donc sur le forum amatest.xoit.fr ou sur amatest.com. Voilà, salut !